OK. Nous allons parler des bear market. Nous disons bear market. Pour premièrement, je vais utiliser trend line. Il faut que je identifie qu'il y a un bear market. Pour premièrement, il n'y a pas de façon pour identifier lorsqu'il y a un bear market. Là, pour m'identifier un bear market, numéro un, moi utiliser des bagages. Moi utiliser trend line et moving average. OK? Time frame moi, pour me rentrer dans le marché, c'est M15. 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 Qu'on a qui l'aime qu'à identifier gain bear market. C'est lorsque moi ouais que, ben, bon exemple de bear market. C'est lorsque, c'est ça, c'est pour m'identifier. C'est lorsque moi ouais que, prix, parti bout de kendo, non, prix, kendo formé en bas moving average 50 ans, même moving average 50 ans. OK? Et ensuite, tout, c'est, premièrement, ça pour moi, faut que moi, tout, moi, go low et high dans 15 minutes. Mon low et high dans 15 minutes. Et puis, lorsque moi, low et high là, moi, yon kendo. Depuis mon low et high, ma prétendant yon kendo qui fermait en bas. Depuis yon kendo qui fermait, yon kendo qui fermait en bas, moving average. Attention, un kendo qui ferme en bas moving average là, kendo a supposé rouge. Mais attention, faut que power, faut que lower high pas formé. Faut que pas gain lower high qui formé dans 15 minutes. Pour me cap plus sûr, moi je nous lower high qui formé. OK? Moi un lower high qui formé. Moi te tan yon kendo fermé. Et puis avec trend line là, OK, avec trend line là, qu'on y a, moi rentrer sous kendo qui en bas trend line là, ou jusqu'à ce que moi ouais que li forme yon low, OK, pour jusqu'à ce qu'elle forme yon low. Mais s'il forme yon low high, mais ou après ça tout, ou après ça tout ce market qui down di. Ouais, s'il faut mon lower high, garder pour moi, est-ce que BEO pas poussé, est-ce que celle n'est pas pris contrôle? Deuxièmement, pas jamais à essayer trade. Il est très risqué, au cas trade, mais il est très bon marqué là, il est très risqué, il est risqué en pile, il est risqué pour trade buy dans un sakirele, dans un bear market. Donc, bear market ou pas trade buy. Même quand t'as tenté faire, il faut qu'on prenne pile précaution parce que à n'importe qui l'est, BEO capable de prendre contrôle. BEO capable de prendre contrôle. OK? Ça va bien. Mais qui j'en pour trade? Première, ça va faire. Première méthode, ou besoin de trend line. Ou besoin de trois bagages. Ou besoin, mais ou besoin de trois indicateurs ça. Qui pour bah, ou une direction. Mais voilà, un, l'indicateur m'a utilisé. Et à mes 50, m'a utilisé Trendline with Breaks, High Low and High High. Dans des logiques là, oui, m'a rentré, m'a supposé ouais, yon, low et high. M'a supposé ouais, m'a supposé joindre Trendline là, m'a supposé joindre ça qui relève. Yon trend line, supposé ouais que pour trend line là, prix a supposé en bas moving average 50 là et en bas trend line là. That's it. Time frame là c'est 15 minutes lié. Time frame c'est 15 minutes lié. D'accord? Une fois que time frame c'est 15 minutes lié, là, c'est comme d'habitude, une sorte de scalping, m'a fait. M'a fait un scalping. Pour me faire scalping, je me suis joué une méthode ça. Ça, c'est la première façon pour me trade. Pour me faire scalping. Dans ma chair. Un, il faut que moi, ouais, que, moving average, ça, mon candle rouge, permet en bas moving average, là. OK? Qu'on a besoin d'autres confirmations encore. Troisième confirmation besoin, il faut que je joigne tout.
yon kendo rouge fermé en bas de la là. Une fois que les conditions sont réunies, yes, moi ka rentrer dans ma chia en tant que célèbre.